Voilà, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Je vous ai dit ici que l'attaque qu'il y a eu à Bassologo n'était pas simple. Il y a eu des complices et ces complicités veulent que le peuple se révolte contre le capitaine Ibrahim Traoré. Mais beaucoup de personnes ne m'ont pas écouté et beaucoup de personnes n'ont pas cru. Les audios ont fuité. Oui, les audios des complices contre le capitaine Ibrahim Traoré ont fuité. Et dans l'audio, ils sont en train de dire qu'ils sont en train de comploter pour renverser le capitaine Ibrahim Traoré. Et ce qui les empêche, c'est les Wahiyans qui sont au rond-point. Eux, ils ont peur des Wahiyans. Ils ne savent pas comment contourner les Wahiyans parce que ce sont des fils dignes du Burkina Faso qu'on ne peut jamais les corrompre. Et ils disent aussi que dans les VDP, c'est facile. Eux, ils peuvent les corrompre ou soit les éliminer rapidement. Et aussi, ils disent encore que parmi les autorités, ils ont des personnes qui peuvent détourner leur regard. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire ces complicités-là, pardon, c'est en série. C'est des complices en série. Est-ce que vous comprenez très bien? Parce qu'ils ont cité beaucoup de points que parmi les autorités-là, qu'il y a des personnes qui peuvent tromper leur regard. Et s'ils n'arrivent pas à renverser le capitaine Ibrahim Traoré, ils vont commettre des exactions, ça veut dire, ils vont commettre du massacre comme à Bassolgo pour que le peuple se révolte contre le capitaine Ibrahim Traoré. Famille, je vous ai dit, depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, est-ce que vous avez déjà entendu ces genres d'attaques-là? Non, jamais de la vie. Le capitaine, le premier président au Burkina qui envoie des drones de surveillance, des drones qui frappent. Premier président qui a créé les VDP. Premier président qui a créé les BIR, brigade et l'intervention rapide. Il a créé beaucoup de choses. Et lui-même, il va au front. Est-ce que vous comprenez? Mais ces complices-là, ce qu'ils veulent là, ils veulent commettre beaucoup de massacres s'ils n'arrivent pas à renverser le capitaine Ibrahim Traoré pour que le peuple se lève contre le capitaine Ibrahim Traoré. Peuple burkinabé, soyez vigilants. Soyez dignes. Soyez intègres. Soyez courageux. Ibé ou rien. Parce que ça les fait mal d'entendre le peuple burkinabé dire vive le capitaine Ibrahim Traoré. Vive le digne fils du Burkina Faso. Vive deuxième Thomas Sankara. Ça les fait mal. Ça les fait tellement mal. Ils veulent renverser le capitaine Ibrahim Traoré pour prendre le pouvoir et vendre le pouvoir, vendre le pays, pardon, et vendre le pays aux Occidentaux. C'est ce que le capitaine refuse. Le capitaine est un digne fils d'Afrique qui se bat pour notre souveraineté, qui se bat pour la dignité de notre pays, qui se bat pour l'honneur de notre pays, qui se bat pour l'intégrité du peuple burkinabé. Mais il y a certaines personnes en ce moment qui sont en train de faire des coups bas, qui sont en complicité avec des terreaux pour commettre beaucoup d'exactions, pour que le peuple burkinabé se révolte, se lève, un soulèvement populaire contre le capitaine Ibrahim Traoré, pardon. Mais ça ne va jamais arriver. Le peuple burkinabé n'est plus dans le coma. Le peuple burkinabé est réveillé de son coma. Et on a compris le système d'ennemis, le système des complices contre le capitaine Ibrahim Traoré. Et contre l'AUS. Et eux-mêmes, dans leurs audios, ils ont dit aussi que s'ils ne se dépêchent pas, si l'armée de l'AUS, si on crée l'armée de l'AUS, que c'est mort, c'est fini. Eux, ils ne peuvent rien. Ce que vous ne savez pas, l'AUS est en train de mettre l'unité en place, l'unité de l'AUS. Et eux-mêmes, dans leurs audios, ils ont dit ça. Si l'unité de l'AUS s'associe, on ne pourra plus rien faire. Donc, il faudrait qu'on se dépêche. Peuple burkinabé, celui ou celle qui va écouter cette vidéo, je vous en prie, partagez au maximum et cherchez cet audio-là pour écouter. Si vous n'avez pas l'audio, contactez-moi, écrivez-moi en inbox pour que je vous envoie l'audio à écouter très bien. Parce que ceux-là, ils veulent un soulèvement populaire au cas si ils n'arrivent pas à faire un coup d'État contre Ibrahim Traoré. Mais ils ne peuvent pas faire un coup d'État contre Ibrahim Traoré. Et ils ne pourront jamais. Ça, déjà, c'est mort.
Ils vont passer à l'étape suivante, c'est quoi? Massacrer le peuple burkinabé pour que le peuple se révolte contre le capitaine Ibrahim Traoré. Famille, c'est fort. Il faudrait que chaque burkinabé puisse écouter l'audio qui a fuité là. Si tu viens de l'AES et que tu es digne fils de l'AES, cherche à écouter l'audio et te former. Former tes coudes. Et attends. Oui, parce que ceux-là, vous savez très bien qu'ils ne pourront jamais renverser le capitaine Ibrahim Traoré. Donc, ils vont passer à ce qu'ils ont dit. Et même, ils ont dit dans leur audio, hein, s'ils n'arrivent pas à faire le coup d'état contre Ibrahim Traoré, ils vont passer à l'étape. Faire du massacre pour que le peuple se révolte. Et ils disent que non. Et tout le monde connaît le peuple burkinabé. Ils peuvent se révolter facilement. On a compris. Tant que l'audio que nous, on a entendu là, on a voté mal ici. Oui. Mais famille, croyez-moi, ses complices sont neutralisés. Oui. Ses complices sont arrêtés un à un. Croyez au peuple burkinabé. Croyez au capitaine Ibrahim Traoré et croyez à nos autorités. Famille, vive le capitaine Ibrahim Traoré, vive le Burkina Faso, vive le Mali, vive le Niger et vive l'AES. Vive le peuple de l'AES, on est ensemble et vive l'Afrique unie. La patrie ou la mort, nous vaincrons.